si marrant que ça. Il était moitié con, moitié rebelle, avec un grand cœur en plus, avec un grand cœur en plus. Son vrai nom était Colucci Michel, mais tout le monde l'appelait Coluche. Il s'appelait Coluche. Même qu'un jour il s'est présenté pour être président, mais sa grande idée d'enfoiré, ce fut d'aider les gens. Quand il a décidé d'offrir comme des bouquets de fleurs, des repas et puis des souris dans ses restos du cœur, il était moitié con, moitié rebelle, avec un grand cœur en plus, avec un grand cœur en plus. Son vrai nom était Colucci Michel, sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent, ben, je sais pas. Alors nous, on sait et on le fait, voilà. Il était moitié con, moitié rebelle, avec un grand cœur en plus, avec un grand cœur en plus. Comme chante son copain Renaud, trop con ce putain de camion. Il était moitié con, moitié rebelle, avec un grand cœur en plus, avec un grand cœur en plus. Son vrai nom était Colucci Michel, mais tout le monde l'appelait Coluche. Il s'appelait moitié rebelle, avec un grand cœur en plus, avec un grand cœur en plus. Son vrai nom était Colucci Michel, mais tout le monde l'appelait Coluche. Il s'appelait Coluche, mais tout le monde l'appelait Coluche. Il s'appelait Coluche.